Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Furious Jumper l'apiculteur. J'espère que vous allez bien écouter les amis. Moi ça me fait nickel. Comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Bee Swarm Simulator. Et oui, vous ne rêvez pas les gens, il y a eu une énorme mise à jour sur Bee Swarm Simulator qui est sortie depuis la fois dernière où on s'était retrouvés tout en haut de notre sommet. On pensait qu'on n'allait plus jamais revenir ici, mais le créateur, c'est incroyable, le créateur de Bee Swarm Simulator a fait une nouvelle mise à jour, une très grosse mise à jour. Et je voulais vous remercier les amis comme d'habitude pour tous vos retours et surtout pour tous les messages que vous m'avez envoyé justement pour me dire Furious, il faut absolument que tu reviennes sur le jeu, il faut absolument que tu reviennes, il y a eu une grosse mise à jour. Tu vas voir, il y a des fourmis maintenant, les abeilles ont même des niveaux, ont même des humeurs hein, comme vous voyez là, elles sont plutôt contentes. Il y a vraiment pas mal de choses et il y a surtout une nouvelle zone. Et oui, parce que regardez, alors attendez, bon le mieux c'est que je vous le montre, parce que bon, là tu vois pour le moment, tu vois des oreilles, tu te dis bah ouais, bah c'est bien, c'est quoi, c'est un ours, un chat? Et bah non, regarde ça, c'est tout simplement une nouvelle zone, c'est la zone du niveau 30, enfin non, pas niveau 30, c'est pas le niveau 30, c'est enfin en gros, le fait d'avoir 30 abeilles vous permettra tout simplement de rejoindre cette fameuse zone secrète, et c'est officiellement du coup la nouvelle dernière zone, parce que oui, c'était celle-là, tu vois, c'était celle des 25 et on l'a vu la fois dernière, il y a un petit moment de ça, et du coup, il fallait absolument que je revienne pour agrandir mon armée d'abeilles et surtout découvrir avec vous ces nouvelles mises à jour. Alors, il y a aussi donc une nouvelle petite ours, je crois que c'est la maman ours qui a été ajoutée, bien entendu. Regardez dans ce petit coin là, franchement c'est génial, il y a tellement de choses maintenant, même les monstres ont des niveaux, et du coup si les abeilles n'ont pas le même niveau des monstres, forcément ils ne peuvent pas battre ces monstres, enfin ces créatures en question, voilà. Donc, alors, bonjour maman abeille, il y a trop d'abeilles dans le jeu. Maman Beer, donc en gros maman ours, comment tu vas? Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors il faut savoir que il paraît qu'elle parle énormément, mais grâce à une apicultrice que je connais très bien et que vous aussi, parce que vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps que ça, elle m'a tout simplement traduit tout ce qu'elle m'a dit, donc je la remercie énormément. Donc attendez, voilà, donc oui, parce qu'elle m'a préparé une feuille et tout, tu vois. Donc alors, je vais lire le truc. Bonjour nous apiculteurs, je vais avancer en même temps, mais vous comprenez que je lis pas la... Enfin, je traduis pas en même temps. Je suis maman ours, heureuse de te rencontrer. Mes petits sont en camp de vacances, mais j'ai quand même besoin de m'occuper de quelqu'un. Ah bah c'est sympa ça, tu vois. Du coup je prends soin des abeilles de cette montagne comme si elles étaient mes propres enfants. Je vais t'enseigner comment marchent les niveaux des abeilles et le lien que tu partages avec elles. Oh c'est sympa ça. Les abeilles ne servent pas qu'à faire du miel, tu sais. Elles ont aussi des émotions. Ah voilà, oui, les fameuses émotions, donc d'où les smileys et tout, un combat, parce que oui, elles peuvent être tristes et du coup moins efficaces, bien entendu, au combat ou même pour butiner du pollen, voilà. Alors, plus elles sont proches de toi, plus elles sont douées, et plus elles sont proches de toi, plus elles montent de niveau. D'accord, ça c'est pas mal. Alors il me semble que si c'est par rapport au, comment dire, aux quêtes aussi, mais bon, je pense qu'on va voir ça, bien entendu, tout de suite. Alors, où est-ce que j'en suis sur ma feuille? Je sais même plus où j'en suis sur ma... Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc plus les abeilles récoltent du pollen, plus elles produisent du miel. Elles ont aussi plus d'énergie, vont plus vite et peuvent te défendre contre les monstres à haut niveau. Oh, pas mal. Tu peux augmenter ton lien avec une abeille en récoltant du pollen depuis les champs qu'elles aiment bien. D'accord, très bien. Oui, bah ça en même temps, c'est oui, bah, les rouges, les bleus, les blancs, les morts. Voilà, c'est ce que je veux dire. En éliminant d'autres insectes ou des monstres et leur donnant des friandises. Alors oui, donc les friandises, ce sont une nouvelle chose qu'on va voir. Vous allez voir, donc il me semble il y a pas mal de petits fruits. Vous allez voir, bien sympathique. Voici une friandise pour que tu puisses tester. Oh, sympa ça! Va à la ruche et glisse la friandise depuis le menu des œufs jusqu'à l'abeille auquel tu veux la donner, d'accord? Ton lien avec elle augmente directement de 10. Oh! Clique sur une abeille dans ta ruche pour que ça donne plus d'informations à propos de cette abeille. Tu peux voir combien de points il te reste avant qu'elle monte au prochain niveau. Quand tu as fait ça, reviens vers moi et j'aurai une récompense. D'accord, merci. Heureusement que j'ai la traduction de cette apicultrice parce que effectivement, elle parle beaucoup et je voulais pas dire de bêtises. Donc, alors, les gens, donc on a donc toujours nos quêtes qui sont présentes. Raise a beat, level 2, ok. Et d'accord, donc alors on a une friandise. Oh oui, c'est un petit cookie on dirait. Ou une petite fleur, je sais pas. Où est-ce qu'il est mon truc? Il est là, ok. Donc, alors moi le mieux c'est que je le donne directement à mon abeille d'event. Bah oui, parce que du coup elle va être niveau 2. Bam, voilà, ok. Donc là du coup regardez, elle butine. Ah, j'ai pas le temps de voir, mais je crois que... Est-ce que je peux le voir là ou pas? Est-ce que je... Ah, bon, à mon avis je pense que c'est... ça doit être autre part. Ah, c'est en cliquant dessus, d'accord, ok, voilà. Donc vous avez vu qu'elle a plus d'énergie, elle peut récolter un peu plus vite les trucs. Enfin franchement c'est génial ce système de niveau. Donc du coup nos abeilles vont être carrément beaucoup plus efficaces. Donc ça c'est vraiment... c'est la bonne. Ouais c'était ça, oui voilà c'était la bonne. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc du coup, hop, on va retourner voir la maman abeille. Je vais pas arrêter de dire ça, je vous jure. La maman ours. Et du coup on peut même acheter les friandises à côté. Bon je pense que c'est avec directement... Quoi c'est... Avec du... Oh, ça va. Ça passe. Franchement, ça passe. Ok, ça c'est ridicule à côté de tout ce qu'on a farmé. Hein. Ok, donc, alors, on va leur parler. Je prépare mon papier. Alors, oui, exactement comme ça. Oui, voilà, j'ai oublié de cliquer. Regardez à quel point ton abeille est contente maintenant. Maintenant, elle est plus proche de toi. Elle a même avancé au niveau 2. Chaque niveau montre les statistiques de tes abeilles. Si tu veux plus de friandises, tu peux en acheter avec du miel depuis la machine à ta gauche. Continue de travailler pour augmenter ton lien avec tes abeilles et tu vas devenir le meilleur fabricant de miel. Reviens me parler quand tu seras prêt pour une nouvelle leçon d'entente avec tes abeilles. Ah, c'est super cool. Yes. Ok, alors, donc, ça c'est... Attends, bah oui, mais attends, je peux prendre ta quête. Parce que pendant qu'on y est, ça serait quand même beaucoup mieux, non? Ok. Alors, chaque abeille a des goûts différents. Il y a des champs qu'elles aiment et des champs qu'elles n'aiment pas. Quand tu ramasses du pollen depuis un champ qu'elles aiment, leur lien avec toi augmente plus vite. Tu peux voir quand ta lien d'abeille augmente. Regarde les chiffres roses qui popent au-dessus de tes abeilles. Prendre du pollen depuis un champ qu'une abeille aime bien et lui donner des friandises la rendra plus heureuse. Les abeilles heureuses bougent et grandissent plus vite. Ta prochaine quête est d'avoir une abeille de niveau 3, d'avoir 2 abeilles de niveau 2 et bien sûr de donner 5 friandises à tes abeilles. D'accord, merci, voilà, c'est la quête que je voulais. Oui, du coup, je voulais vous montrer justement le fait que les abeilles peuvent rater leurs attaques. Alors, le mieux, c'est que je vous amène... Bah, attends, on va aller prendre le canon rouge. Attends, je peux le prendre. Autant le prendre, voilà. Et oui, j'ai aussi également un dos de quête au passage, bon, que j'avais pas totalement terminé. Alors, du coup, voyez-moi un petit peu... Oui, parce qu'il faut faire beaucoup d'hors caméra à partir de ce moment-là du jeu. Alors, donc, voyez-moi un petit peu. Si je vais dans le champ des scorpions, oui, parce que c'était là que j'avais testé pour la première fois. Parce que oui, du coup, j'ai pas été voir la fameuse zone des fourmis. Hein, donc, on va vraiment découvrir tout ça ensemble. Ça qui est cool, les amis. C'est vraiment de la full découverte. Ah, je me suis pas du tout spoil. Alors du coup maintenant regardez, vu que là mes abeilles n'ont pas le même niveau, qui est le niveau 5 des scorpions, vous voyez bien que miss ça veut dire manquer, elles manquent leur tir. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il faut absolument que je les fasse monter niveau, parce que là je peux plus vraiment me battre contre ces scorpions. Donc du coup, alors un truc que je voulais absolument voir, c'est effectivement les fourmis, parce que oui je vous ai attendu pour aller voir les fourmis comme je disais. Et voilà, je voulais absolument aller dans cette zone. Ah la petite fourmi ouvrière. Bonjour. Alors comme ça vous êtes des fourmis hein. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors il y a une espèce de carte là, c'est quoi ça? Alors, welcome to the Ant Challenge. Alors, Spain Ant Pass. Ok, donc le challenge des fourmis. Utilise donc un pass de fourmis pour entrer dans la zone. Collect the pollen, ok. D'accord, donc je pense que... Oui. Donc il faut faire un score de récolte. Ou alors... Ah non, Ant Exterminator, d'accord. Waouh, ça déconne pas du tout, quoi. Ok, alors je pense que j'ai lancé le... Ah non, j'ai eu mon Ant Pass, d'accord, donc c'est 1 toutes les 2 heures. Bon, eh bah écoutez, on va y aller, c'est parti. Alors, du coup, je peux récolter et il faut battre en même temps. Oh, les fourmis. Oh, la musique. Mais il faut faire monter la... Attends, faut faire monter la barre de du nid de fourmis. Ou de la ruche. Mais c'est génial. Mais attends, ça fait quoi, du coup? Attends, je récolte. Allez, on récolte, les amis. Faut faire un sacré score. Allez. Bon, ça va, c'est facile. On a un sacré niveau pour le moment. Ok. Oh, d'accord, ça fait respawn des... Ah, ça fait spawn des fourmis. Mais en fait, elle nous attaque pas, mais du coup, elle sert à quoi? Attends, du coup... Ah, c'est peut-être qu'elle gêne, à mon avis, je pense. Ou alors, non, ça doit être... Ah oui, c'est le score exterminator, là, qu'on a là, d'accord. Ok, bon, allez, let's go, on y va, allez, on farm. Par contre, ouais, du coup, elles sont... Ah ouais, en fait, du coup, ça les perturbe. Bah oui, parce que du coup, elles me donnent pas les petits jetons. Le fait qu'elles soient là, ouais, c'est un peu perturbateur, hein, tu vois ce que je veux dire. Allez, hop, on prend les crits, ding. Voilà, allez, on y va. Allez, mes petites abeilles. Oh, il y a des... Oh, elles font mal, elles font mal. Y'a des fourmis volantes! Vite, vol! Ouais, c'est bon, ça passe. Allez, attention! Elle veut m'attaquer! Waouh, j'ai fait level up mes fourmis! Mes abeilles! Le mec, il confond toutes, c'est... Oh, c'est génial! Bah ouais, du coup, bah là, ça farme bien pour le coup, hein, parce qu'à la fois, on butine du pollen, mais du coup, on se bat contre des fourmis. Du coup, bah, forcément, les abeilles, elles aiment bien, ça fait monter l'XP. Par contre, je vais pas tenir longtemps, là, à mon avis. Ah ouais, non, là, ça va être chaud. Oh là là, ça va être chaud. Attention, elles arrivent sur moi! Non, c'est bon, ok. Allez, yes. Allez, on continue. Oui, il faut farmer. De toute façon, j'aimerais bien avoir les jetons aussi au passage. Hein. Oh, ça, c'est bon, ça. Yes. C'est la puissance. Il nous reste combien de temps? 3 minutes 17. Est-ce que, du coup, le score, il monte? Enfin, le timer, il monte quand je passe un cap ou pas? Attends, on va voir. À mon avis, je pense pas, mais sait-on jamais. Et non. Ok, peut-être quand on arrive à battre... Oh my god. Une fourmi géante. Vite. Oh, c'est un boss, le truc, c'est un boss. Non. Oh là, mes points de vie. Oh, c'est chaud. Oh, elle est résistante. Oh, elle est résistante. Ah ouais, elle est méga résistante, hein. Là pour le coup, bah moi je continue de farmer, écoute, hein, bon, le problème c'est qu'après on va ramasser ceci parce qu'on aura toutes les fourmis avec nous, mais bon écoute, moi je continue, je suis l'expert ou tu l'es pas, hein, tu vois ce que je veux dire. Allez, 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 on farme, on farme. Ah mais du coup ça marche pas la récolte ici, regardez, ça récolte seulement, ah oui non mais ça va direct là, non, c'est cool parce que du coup je pense que quand, du coup je me fais désintégrer, à mon avis on perd pas le... Oh, il y en a trop, il y en a même en feu. Alors elle ça va, elle s'attaque pas en fait directement, waouh. Ça brûle les champs et tout, c'est tellement bien fait quoi. Ah mais faut sauter au-dessus là. Oh, d'accord, ok. Oh, j'ai gagné des objets. Oh, c'est génial. Oh là là. Oh, c'est excellent. Replace. Yes. Oh, j'ai une amulette. Oh, j'ai une fourmi au-dessus de la tête. Mais c'est génial, en fait, c'est un animal de compagnie. Mais c'est excellent. Du coup ça fait que voilà, en fait on a les bonus par rapport à ce qu'on a fait. Et là du coup elles sont niveau 2, bon là elles sont toutes fatiguées, je les comprends. Oh c'est génial. C'est un bonus qu'on aura constamment quoi. Après on pourra l'améliorer à force de réussir plus de vagues je pense. Ah c'est vraiment excellent. Bon alors du coup bah j'ai des abeilles déjà de niveau 2. Bon après le mieux ce serait de les avoir de niveau 3. Ah c'est excellent. Du coup ouais ça fait les amis que regardez, j'ai obtenu bah forcément au passage comme je l'avais dit bah, des fameuses friandises. Et bah, on va en donner, on va les donner à... Attends on va les donner à nos légendaires. Voilà attends comme ça. How many trust give you be? Je donne tout. Bam. Allez hop, niveau 3, ça c'est fait. Bon là on va en donner qu'un par contre pour le reste. Une légendaire. Une légendaire. Attends, bah non, il faut qu'il y en ait une de niveau 3, c'est ça? Ah il faut en donner, il faut en nourrir 5. Ok bon ça va. Je vais en nourrir 5, je vais en nourrir. Bah, celle-là je vais en donner une. Voilà, niveau 3, yes. Ensuite c'est celle-là. Bam, niveau 3, yes, et c'est bon. Regardez maintenant. Ah, free 5 treats of bee. Ah. Ah, c'est avec les treats. Ah ouais, les treats. Les treats. Bon, c'est pas grave, je les ai fait monter de niveau. Bon, je garderai bien sûr les petites autres... Enfin, les autres fruits. J'ai vu qu'il y avait un ticket, là, on va le prendre après. Et du coup, attendez, je vais revenir acheter ça, ça, voilà. Et là, du coup, on va pouvoir donner les treats. Et pas les truites, hein, le poisson, hein, bien sûr. Je doute que les abeilles mangent du poisson, mais on sait toujours jamais, bien sûr. Mais voilà, donc du coup, alors, attendez, je vais donner ça à ma petite légendaire là. Bam, voilà. Et je vais en donner à une autre ici. Attention, bam, voilà. Ok, du coup, petite friandise, elle va être contente. Et du coup, voilà, on a terminé la petite quête, ma foi bien sympathique, de la maman ours. Vous avez vu, je me suis pas trompé cette fois, hein. Et du coup, donc vraiment un petit peu. Donc oui, alors... J'en prépare le dialogue. Alors, tes abeilles sont vraiment attachées à toi. Elles sont tellement attachées à toi qu'elles combattent même pour te défendre. Augmente le niveau de tes abeilles, va devenir de plus en plus important quand tu monteras la montagne au fur et à mesure. Si tes abeilles sont quelques niveaux en dessous des autres insectes ou monstres, leur attaque échoueront. Ah bah ça on l'a bien vu, hein. Bien augmenter les niveaux de tes abeilles leur permettront de bien te défendre. Reviens me parler quand tu es prêt pour une autre leçon. Eh ben je suis prêt. Certaines friandises sont plus spéciales que les autres. Si tu as de la chance, tu pourras trouver des friandises assez rares cachées dans les champs. Tu peux même les recevoir d'un insecte que tu as vaincu. Pour ta prochaine leçon, je veux que tu trouves une graine de tournesol. Oh sympa. Elle a pas dit oh sympa, hein. C'est moi qui le dis tu vois. Et que tu la donnes à une abeille. Tu peux trouver des graines de tournesol juste là dans les champs de tournesol. Elles apparaîtront occasionnellement quand tu récoltes du pollen. Elles sont assez rares donc ça peut prendre un moment. Ok très bien, donc il faut que je donne des treats à mes abeilles. Bon du coup bon là il va falloir effectivement farmer. Bon ça tombe bien parce que on n'est jamais à court de farming. Ah ouais regardez elles sont un peu tristes et tout. Mais bon je pense qu'elles seront de plus en plus contentes à force de farmer un petit peu au hasard. Bon j'essaye de voir un petit peu si je peux trouver justement ces trucs là, ça pourrait être sympa. Je me demande si c'est tellement rare que genre est-ce qu'on peut l'avoir avec les jetons ou c'est un truc qui spawn aléatoirement là. Ah les amis ça y est regardez j'ai trouvé une graine. Enfin j'en avais trouvé déjà une mais du coup ça fait que bah forcément je l'ai ramassé sans faire exprès voilà. Donc du coup j'en ai deux voilà donc ça va au final hein, c'est quand même assez rapide là ça fait 3-4 minutes que je farm et du coup j'en ai déjà trouvé effectivement deux et on va du coup pouvoir donner ça. Alors attendez que je vais d'abord essayer de racheter des treats hein, pour valider la quête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon je vais en prendre un peu plus voilà. Ok là comme ça j'en ai effectivement la masse et du coup je vais pouvoir nourrir. Enfin du coup rendre un peu plus heureuse mes petites abeilles. Voilà donc alors on va donner ça. Attends oui la quête je vais la maintenir. Oh je veux la quête, je veux voir la quête. Alors du coup il faut que je nourrisse 10 billes avec les treats. Voilà donc je vais donner attends bah je vais donner ça lui là voilà. Comme ça ok. Je donne un peu au pif hein, voilà. C'est histoire de un peu plus les nourrir un peu tous je veux dire plutôt. Voilà comme ça. Tac voilà. Allez allez ça monte. Ça monte. Bon après le truc c'est le mieux je me demande si ça compte si je le donne toujours au même. Attends. Tu vois un petit peu. Si je donne au même là. Bam comme ça. 8. Ok si je leur donne une. Ah j'aurais peut-être dû faire comme ça. Ben ouais. Parce que pour moi, c'est plus important les légendaires quand même. Bah ouais, regarde, on les fait level up. Ok, bon, c'est pas grave, de toute façon, vu le prix que j'ai payé ça. Et là, du coup, je vais prendre une sunflower. Ah bah, j'ai déjà donné une sunflower. Bon, attends, bah, on va redonner un comme ça. On va donner à Hello. Tiens, regarde. Bam! Voilà, et c'est bon. J'ai terminé la quête. Et en plus, ça l'a level up. Eh, c'est génial. Franchement, ce système de niveau des abeilles, c'est excellent. Bon, alors, attention. Je prépare à nouveau mon truc, donc. Alors, oh non! Je viens de lire le truc, le challenge des fourmis. Bon, attends. Donc, alors, bienvenue au challenge des fourmis. Ah oui, non, j'ai... Ah, d'accord. Ah non, c'était le papier pour tout à l'heure, en fait. Bon, du coup, les amis, je me suis permis de prendre une quête supplémentaire de la maman ours. Oui, parce que, bon, je me suis pas trop arrêté à ce qu'elle disait, parce que, étant donné qu'elle disait à peu près toujours la même chose, du coup, vous savez qu'elle nous a donné une quête supplémentaire. Et bien entendu, donc, il va falloir me faire monter les abeilles au niveau 4, nourrir une fois de plus 15 abeilles et utiliser une Royal Jelly. Donc, ça tombe bien, parce que j'en ai pas mal. Il me semble que j'en ai 3. Oui, voilà, j'en ai 3, donc on va utiliser une Royal Jelly. Alors, il me semble, par contre, que les crates... J'espère que je prononce bien le truc, parce que, alors là, c'est tout le monde qui va dire, mais non, Furious, c'est pas une truite, ça c'est truite, ça se trouve, tu vois. Et du coup, donc je vais acheter tout ça, voilà. J'espère que c'est pas étiqueté. Heureusement que c'est avec de l'ennui, hein, parce que ce serait étiqueté. Ah bah, ça serait drôlement cher, hein, on est d'accord. Donc, alors, faire monter 3 abeilles au niveau 4, bah c'est possible, parce que si je nourris toujours les mêmes, ça devrait le faire. Donc, tac, on va faire comme ça. On va prendre, du coup, les traits, on va le mettre à lui. Voilà, on va y aller un par un quand même, dans le doute. Dans le doute, parce que dès qu'il arrivera niveau 4, ça pourrait être plutôt pas mal. Allez, encore un peu. Attends, je vais prendre ça. De toute façon, c'est marqué en bas à droite, hein, regardez. On... Ah ouais, ça va à 250. Ah ouais, ça va être vachement cher. 10 d'un coup, bam. Ah ouais, plus qu'une, regardez. Hop, bam, niveau 4. Bon là, par contre, il m'en faut encore 2 autres, hein. Donc ça fait... Ouais, c'est relativement cher, on est d'accord. Et là... Une, ah ouais, 250. Et du coup, attends, est-ce que ça fait monter de... À ce point... Ah oui, ça fait monter de 25, ça. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, regardez. On va en donner... Bah, je vais lui donner les... C'est combien, attends, 3? Ah non, ouais, c'est 3, donc, bon, franchement... Eh, au point, on en est. Allez, comme ça. Encore. Voilà, encore une. Yes, ok. Allez, les amis. Maintenant, on lui donne tous à elle. Ok, bon, il m'en manque encore un petit peu. Bon, par contre, ouais, c'est vrai que les fruits, c'est carrément efficace, hein. Bon, il faudrait que j'en farme un petit peu plus, mais j'avoue que c'est plutôt pas mal. Bon, on va en acheter, allez, encore un peu plus, on va en acheter... Je peux pas en acheter plus que ça, mais parce que là, ça commence à faire cher, hein. Là, ça monte, là, hein. Là, d'un coup, c'est plus le même prix, mon pote, hein. C'est plus le même tarif, hein, voilà. Ok, allez, on y va. Tac, allez, après, ça serait bien de remplacer une abeille que j'ai pas... Avec la Royal Jelly, enfin une abeille que j'utilise pas souvent plutôt, parce que je sais pas, j'en ai beaucoup quand même. Tac, on va lui donner 10. Yes! Et c'est bon, ça c'est fait les amis. Du coup, la Royal Jelly, on va remplacer... Qui on va remplacer? Celle-là. Allez, on va remplacer celle-là. Royal Jelly. Oh, une Looker Bee, encore une! Encore une. Eh ben écoute, au moins c'est fait. J'ai bien entendu, j'ai cette quête qui est bien sûr terminée et on va valider la quête les amis. Yes, et elle va nous donner pas mal de choses. Et ben voilà, on a récolté, bah regardez des tickets, on a récolté 2 tickets, bon 5000 de miel, bon c'est pas non plus énorme et on a obtenu 5 trades bien entendu. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire plutôt pratique. Ah oui, il y a un truc en fait que j'ai oublié, c'est ce petit ticket là super simple à obtenir là qui est au-dessus là. Donc bon, celui-là, il est gratuit, hein. Celui-là tout le monde peut le prendre à partir du moment où vous avez accès à cette zone là. Et ben écoutez, dans tous les cas, les amis, on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur la nouvelle mise à jour de Bee Swarm Simulator. Ça me fait très plaisir vraiment de vous retrouver sur ce jeu, les amis. On est reparti une fois de plus pour une aventure complètement épique. J'espère en tout cas, les amis, ça vous a fait extrêmement plaisir que je revienne sur Bee Swarm Simulator. D'ailleurs, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Je vous remercie grandement, les amis. C'était Furious Jumper et je vous dis à très bientôt pour du Bee Swarm Simulator. Ciao!